En plus d'être notre meilleure protection en cas de choc, notre casque est notre blason. Mathieu Vaxibière, pilote dans l'équipe Alpine Elf Matmut Endurance Team. Le casque, c'est l'image du pilote. Donc c'est un objet très très personnel, bien évidemment. Et depuis que je suis petit, moi, il garde cette base de jaune, de bleu et de rouge. Le casque, c'est un élément de sécurité. C'est obligatoire d'avoir un casque complètement en carbone. La légèreté est très importante, notamment dans des prototypes comme l'hypercar alpine, on a beaucoup de jets latéraux. Et c'est vrai que du coup, le poids de la tête pèse assez lourd. Et c'est pour ça qu'avec mon peintre, on travaille pour avoir le moins de peinture possible. Par exemple, là, sur celui-là, il a mis 76 grammes. Le moindre gramme gagné sur le casque va m'aider à tenir longtemps dans la voiture. Avec le casque, on a le système HANS aussi, donc, qui s'ajoute pour la sécurité. Et en fait, ça va nous éviter d'avoir le coup du lapin. Ça va nous permettre de ralentir la chute de notre coup. En plus de ça, on a le système radio, le système de boisson. L'équipement du pilote ne se limite pas seulement qu'au casque, il y a aussi tout ce qui est nos équipements infugés, donc les chaussures, les gants, les sous-vêtements. Par exemple, la combinaison, elle nous permet de résister à 700 degrés pendant 12 secondes. On préfère la sécurité avant tout.